de l'or et de grand, qui aura ma propre personne et ma présence en absolu, c'est l'Eucharistie de quelqu'un. C'est le testament. Comme un papa qui, avant de partir, dit, je m'en vais, je ne suis pas là. Je te laisse une recommandation. S'il te plaît, prends soin de ton petit frère. Il faut pas le frapper. Voilà. Papa a dit, on respecte. Ça, c'est la première chose. Pour faire ce que Jésus demande, c'est pas si compliqué que ça. Hein? De prendre son corps et de manger. De dire ceci est mon corps. Mais dans le même texte, il y a une autre recommandation très importante. Avant de quitter ce monde, ceux qui étaient avec lui, il les a aimés jusqu'au bout. Il les a aimés jusqu'au bout. Et pour montrer cet amour jusqu'au bout, le soir, au bout du même repas, où il avait tout donné, il avait tout enseigné, il a lavé vers Dieu. C'est ça. Maintenant, les deux recommandations sont liées, ça va ensemble. Faut-il choisir de manger le corps du Christ, de boire son sang, et puis, quand il s'agit de laver les pieds de son frère ou de sa soeur, ça doit poser problème. Si ça se trouve, c'est qu'on n'aime pas jusqu'au bout. Or, ce que le Christ attend de tout chrétien, c'est d'aimer jusqu'au bout. Je voudrais, frères et sœurs, que les chrétiens catholiques de cette paroisse se sentent comme les CDAD. On vient à peur voyant, rien n'est possible. Les choses vues, ça nous plaît. Voilà. Les chrétiens déterminés, sûrs de leur foi, et qui mènent des actions claires, nettes et visibles. Parce qu'il avait les pieds là. On sait, c'est le travail d'un esclave, c'est le travail d'un serviteur. Ça pousse, ça humilie. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société où ce qui compte, c'est la gloire, c'est le prestige, c'est le miracle, et c'est. Voilà, c'est tout à fait la moindre. S'il avait les pieds des autres, si ça baissait, s'humiliait, si ça nous coûte cher, c'est qu'on n'est pas jusqu'au bout. Si ça nous coûte cher, c'est qu'on n'a pas encore choisi Jésus que nous proclamons confesser, que nous proclamons suivre. Le Christ ne se suit pas à partir, il se suit jusqu'au bout. Nous sommes rassemblés pour accueillir ce qu'il a dit, son corps et son sang. Mais aussi pour accueillir nos frères et sœurs qui sont loin de nous dans le service le plus simple, le plus banal, parfois même ingrat. Jules a été là ce soir. On a lavé cette pierre. Oui. Et quand c'est ingrat, oui, ça aussi c'est digne de Jésus-Christ, c'est digne des chrétiens. Le chrétien ne choisit pas les recommandations que Jésus lui donne. De faire ce qui va, ce qui ne va pas. Ce qui est à moitié, ce qui n'est pas à moitié. Ce qui lui convient, ce qui ne lui convient pas. Jusqu'au bout, c'est réellement jusqu'au bout. Même au bout de sa vie. Ce type de personne existe encore aujourd'hui dans nos sociétés, dans nos communautés, capables d'aimer jusqu'au bout. De donner leur vie pour leurs frères, de donner leur vie pour leurs frères. On n'a pas besoin d'être analysé. Si on les voit, on doit les suivre. Parce qu'on est sûr que cela suit Jésus-Christ. Que notre amour pour Jésus soit vrai, afin que lui-même puisse nous aider à avoir un amour véritable, authentique pour nos frères et sœurs. À ceci, tout le monde reconnaîtra que nous sommes vraiment des disciples de Jésus. Amen.